amis, mes femmes, mes enfants. Mais le cinéma, j'essaye de lui être fidèle. J'ai brisé mes chaînes avec un homme et une femme. J'ai dit, il faut libérer le scénario, il faut libérer l'acteur, il faut libérer tout le monde. C'est l'histoire de la course folle d'un monsieur âgé qui, à la fin de sa vie, projette de tourner 3 films en 3 ans et les meilleurs. À travers cette aventure filmée par Philippe Azoulay, Claude Lelouch accepte de dévoiler son jardin secret. À nouveau, alors. Des fois, je ne sais même pas où je vais, mais j'y vais quand même. De cette ambition, de cette passion qu'il a pour le cinéma, je me dis, ça vaut un film qui raconte à la fois la course perdue d'avance d'un créateur contre le temps, et puis, de l'autre côté, il y a cette ambition artistique de se dire, je vais faire mieux, je vais aller plus loin, je vais aller plus haut, je vais être plus fort. Si, en plus, il accepte que je capte ces processus de création, ces non-dits, ce qu'on ne voit jamais, ce qu'on ne montre jamais, c'est-à-dire la difficulté, les obstacles, les chemins de traverse que doivent prendre les artistes pour aboutir, alors ça peut faire un film qui aura du rythme, du sens, du propos. Le documentaire « Tourner pour vivre » a nécessité 10 années de tournage. En filigrane, c'est toute la légende de Claude Lelouch, 60 ans de carrière, qui s'offre au public. J'ai tendance à dire oui à tout ce qui est un peu fou. Je veux dire que la folie, c'est le vrai plaisir de la vie. Voilà, et puis c'est toujours intéressant de confronter la création, essayer de la comprendre. Voilà, donc quand Philippe m'a proposé cette aventure au départ, je me suis dit, ça va être très très compliqué, mais comme il a en commun avec moi l'amour du cinéma, je me suis dit, ça, sur cet amour du cinéma, on va pouvoir s'amuser un petit peu. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire 50 films. Et Philippe a bien montré que ces 50 films sont le résultat d'une sorte incroyable de ricochet. Je veux dire, chaque seconde invente la seconde d'après. Mon cinéma est un cinéma spontané. Je veux dire que ce que j'ai essayé de filmer toute ma vie, c'est la spontanéité. Le festival ajaxien Passion Cinéma démontre une nouvelle fois son souci de proposer une programmation originale et ambitieuse au cœur d'une période qui reste complexe pour les acteurs de la culture.